Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous faire un tuto d'un make-up que je fais beaucoup ces temps-ci, hein, vite vite fait, très rapide, très simple. Donc voilà, on va commencer. Premièrement, ce que j'ai fait, j'ai nettoyé mon visage comme tous les matins. J'ai mis le sérum, le Repair Wear Laser Focus de chez Clinique. Donc celui-là, je ne l'ai pas acheté en grand format et c'est un style de sérum, c'est très, c'est un gel quoi. Et ensuite, là je termine cet échantillon, mais je l'ai acheté en grand format, c'est la crème de jour de chez Clinique. Voilà. Donc, ce qui est bien dans cette crème, c'est qu'il y a du SPF 15. Alors, après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon anti-cerne Prolongwear NC42. Ok. Et je vais le mettre, je ne retrouve pas mon pinceau. Si, le voici, non, le voici. Il est où ce pinceau? Je déteste perdre mon pinceau. Ah, il est là. Mon pinceau 224. Vous pouvez utiliser vos doigts. Mais avant ça, je vais utiliser la Smashbox, la Primer Smashbox Photosh Finish. SPF 15 également. Je pense que celle-là, je la rachèterai. Parce que elle laisse le visage très doux. Donc voilà, donc comme Smashbox, je pense pas que Smashbox est vendu en Belgique. Vraiment, ça, c'est vraiment indescriptible cette sensation. Ça glisse et c'est vraiment plus facile à appliquer son fond de teint. On est toujours ici. Quand j'ai pas trop le temps, j'utilise pas mes pinceaux. Je fais direct avec mes doigts et je tapote. Et je passe toujours un peu sur ma paupière. Enfin, ça dépend du maquillage, mais là, ça va, c'est pas... Regardez la différence, quoi. C'est un truc de fou. Je vais mettre le fond de teint HD de chez Makeup Forever ou le Bobbi Brown équilibrant. Mais bon, là, je vais utiliser le HD. C'est des fonds de teint assez légers pour moi. Donc, on mélange bien. On va mettre une pompe et demie. Je n'aime pas trop mettre de fond de teint, en fait, en été. Donc, ça dépend... vraiment ma peau sur le jour même. Là maintenant je trouve que je devrais pas en mettre, mais je le mets pour vous montrer en fait le tout quoi. Comme je vous ai parlé de la base et tout ça, on va pas en mettre, hein. Parce qu'il fait assez chaud dehors en plus. Et j'aime pas trop mettre de fond de teint liquide. Quand il fait trop chaud. Ainsi voilà. Parfait. Alors, après ça, je vais utiliser mon blush Lovejoy de chez MAC, un minéralise. Juste un petit peu. Ah, et puis après, on va. Voilà, on a mis au beau endroit. Ok, là ça fait trop. Mais vous inquiétez pas.
Vous utilisez ou la Prep and Prime ou un autre, une poudre libre ou qu'elle soit colorée ou transparente. Je vais fixer l'anti-cerne en même temps avec mon kabuki. En même temps, on va passer sur le blush. Et si vous trouvez que vous en avez retiré trop, bah vous repassez avec votre pinceau qui n'aura pas complètement perdu la couleur. Voilà. Voici, voilà. J'aime beaucoup ce blush. Après, je vais prendre la poudre bronzante Bobbi Brown. La naturelle numéro 1. Voici. Après ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre mon Paint Pot Constructiviste qui n'est plus permanent, je pense. Moi, je l'avais acheté en fait en Italie, à Rome. Je l'avais trouvé là. Et donc, hop. Vous pouvez utiliser un jumbo brun ou un noir, mais bon, ça sera trop foncé, je trouve, pour le tuto que je vais faire. Puisque le fard à paupières que je vais appliquer par après est un doré également, enfin doré brun. Alors après ça, je vais estomper les extrémités. Comme c'est du crème, on peut l'étirer en même temps. Donc moi, je vais l'étirer en externe. Hop. Voilà. Après, je vais utiliser pinceau synthétique pour pouvoir mettre en fait la couleur en dessous. Vous pouvez utiliser en fait aussi un crayon noir gras, un crayon brun gras à la place du Paint Pot. Voilà, et voici. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Spectacle of Yourself, celui-ci. Je vais l'ouvrir comme ça pour voir mieux, et c'est cette couleur là un super beau brun. Et donc je vais prendre un pinceau plat 132 252, et en fait ce que je vais faire, c'est que moi j'applique en fait cette couleur juste ici au centre. En fait, parce qu'elle est irisée, cette couleur, et donc ça donne un super beau rendu. Donc je vais estomper avec un pinceau propre. Je suis désolée, comme mon miroir est derrière la caméra,
J'arrive pas à bien voir ce que je fais ici en interne. Le crayon Urban Decay Baked, donc qui est cette couleur-ci, c'est un doré, hein. Voilà. Et je vais la mettre dans la muqueuse. Et en fait, c'est vraiment des crayons que j'adore parce qu'ils sont crémeux, faciles à appliquer. La couleur est directe là, hein. Lash Blast de chez CoverGirl, mais avant je vais légèrement passer avec le Studsborne Brown qui est un crayon brun de chez MAC, et juste passer en ras de cils supérieur pour intensifier un peu plus. Et je vais prendre le Lash Blast de chez CoverGirl. J'aimerais bien pouvoir trouver un avec miroir. Ah bah voilà. Ça aurait été plus simple comme ceci. Enfin bon. Ah! Alors après ça, j'ai utilisé le crayon Cream O' Spice de chez MAC. Qui est cette couleur-ci. Et je vais l'utiliser en contour des lèvres. Et je remplis légèrement, voilà. Je vais mettre un gloss, un cream sheen glass que j'ai acheté de la collection Semi Precious. Donc c'est la seule chose que j'ai acheté de cette collection. Je pense que j'achèterai encore un fard, mais je suis pas sûre parce qu'il paraît qu'ils tiennent pas bien. Et celui-là, c'est le Geo Pink. Et c'est cette couleur-ci. Voilà. Donc en fait, ça fait foncer parce que j'ai mis le crayon Creamy au Spice juste en dessous, mais sinon il est plus léger. Hein. Regardez, cette couleur-là. Voilà. Bah, je pense que c'est fini pour ce tuto. Je vais vous zoomer ça. Voici. Je vais juste rajouter une petite touche lumière. Donc on va prendre une Melly Melo de couleur de chez Bobbi Brown et on va utiliser la Apricot.
c'est pas abricot, apricot, j'ai bien dit. Et on va l'appliquer juste ici. Voilà. Voici. Allez, je vous fais des gros bisous les filles, à bientôt. Ciao ciao.